Ah, les gars sur le toit. Mais comment sait-il tout ça? Mais parce que j'y ai déjà joué. Oh là là. Je suis lent. Non, moi, tu fais demi-tour, tu cours. Ah bah, moi, je fais des pas en arrière. Pourquoi tu fais des pas en arrière? L'exécution n'aura pas lieu, mais une minute vient d'éclater. Super. Non, on fait ça et on fait ça. Alors lui, il est super bien placé. Lui. Merci. Mec, le pire c'est qu'il me vise dans la tête avec un fusil à pompe. Oh, putain, alors lui, non mais qu'est-ce que je fais? Comment on fait poser? Voilà, on vise comme ça. Attends, je sais. Je crois que j'ai visé son épaule, mais bon. Voilà. Mais c'est pas vrai! Ça a marché. La prison utilise ce système de secours et l'exécution n'aura pas lieu. Mais une minute vient d'éclater. Super, c'est le moment idéal pour faire sortir Gregora. Un problème? Tout va bien. Je vais m'en occuper. Terminé. Gabe, ça a marché. La prison utilise ses systèmes de secours et l'exécution n'aura pas lieu. Mais une minute vient d'éclater. Super, c'est le moment.
comment faire disparaître tes piles? Ah, mais y a pas plus simple, tu veux. C'est là où vous dites putain pourquoi le mec il a pas activé la webcam là. Activer la webcam, on rigolerait encore plus. Putain. Putain mais c'est incroyable ça. Ouais, la barrière, elle s'en est pris plein gueule, là. Dans le cœur. Ce jeu, il est affreux. La prison. Non, c'est pas juste. C'est cette séquence là. Elle est horrible. Elle est horrible. C'est comme je vous dis, on peut pas savoir ce qui va arriver sans se faire tuer. Mais c'est effroyable. Pourquoi faire des jeux pareils, putain. Et ben voilà, on lui tire dans la tête, putain. Mais regarde ça. Ce jeu, c'est tout simplement de la folie pure. C'est de la folie. On devient fou à force.
Ouais, comme par hasard. Je sais pas ce que j'ai contre cette barrière, mais je peux dire qu'elle encaisse la salopiste, putain. À la foutre, moi. Après tout ce que vous m'avez fait subir, gros bâtard. Tu crois que j'allais te laisser en vie ou quoi? Je sais pas c'est qui les a tués, mais je lui dis merci. Gabe, il y a quelqu'un d'autre ici. Je viens de tomber sur une pièce pleine de gardes-morts. C'est peut-être les prisonnières. Non, cette zone est sécurisée. La plupart des émeutiers sont enfermés dans leur bloc. Les Russes disent qu'ils ne sont pas au courant de la présence d'autres agents dans la prison. Méfie-toi. Ouais, comme d'hab. Terminé. Нет! Она убила Женю и Кирилла! Взять её! Фаш, mais on a ça! C'est de la rigolade, hein? On s'amuse bien, hein? C'est pas là où Grigorov il doit être normal aussi. C'est ce que se passe. Faites Mara. C'est bon de vous voir en vie. Pourquoi Mara était là? Oui, Mara Aramov. Elle était là pour assister à mon exécution. Mais quand la lumière s'est éteinte, elle a tué les gardes. Je ne comprends pas. Moi non plus, Yuri. Mais nous n'avons pas le temps. Nous devons filer d'ici. Deux bouteilles d'oxygène nous attendent au fond de la rivière. Je suis prêt. Vous n'avez pas l'air en forme, Yangxing. Qu'est-ce qui... Ça va, ça va. Je vous expliquerai quand nous serons en sécurité. Allons-y. Putain, j'ai shooté dans ma souris et j'ai perdu les piles. Je sais pas où sont les piles. Ça fait que ouais, comme on s'en fout, hein. Pour Lien, derrière vous. Ouais, bon, ben, ouais. Je suis mort. Lien, derrière vous. Essayez de bouffer vos balles. Ouais, je les ai tués. Elle va tuer. Vous pouvez vous battre? Non, je suis trop faible. Ils m'ont battu. Ok. Prends-moi un flingue, connard. Bon, je veux que vous restiez derrière moi. Ne bougez que quand je vous le dirai, compris? Da. Da, da, da.
pas dire, mais je suis en train de crever. Hein. Où est-ce qu'il y a un gilet pare-balles? Ah ouais, là-haut. Ah non, en fait, c'est même pas un gilet pare-balles, c'est une chaise. La MIFA là. C'est bon, Yuri, venez. Mais pourquoi elle le vise pas? Je comprends pas. Franchement, des fois c'est incompréhensible. Ce jeu est incompréhensible de merde. Oh, putain, là j'ai pas mal de putain. Logiquement, je sais pas pourquoi ça me surprend. T'as vu, bug. Tain, je déteste les trucs comme ça. Voilà. T'as deux possibilités, c'est ou tu arrives par derrière ou par devant. Non ! Je crois que j'aurais pas pu les sauver de façon. Bonne ! Putain, bâtard, oh, putain, on peut dire que je les ai pas loupés. Yuri, c'est bon ! Mon dieu. Liane, tu ne pourras pas sauver tout le monde. Concentre-toi sur ta mission. Ok, terminé. Léon, tu pourras pas sauver tout le monde. Quoi? Et pourquoi j'ai pas... Oh, j'ai pas mal peut-être. Ouais, exactement. J'ai par boule. Ah, ma petite. Ça a l'air de remuer de l'autre côté de cette porte. L'émeute a dû s'étendre dans ce bloc. Attendez, je vais jeter un coup d'œil. On peut les détruire, je pense. Des snipers, revenez! Vous inquiétez pas, je vais mourir. Tu parles de sniper, là? Je reviens. Je vais prendre un gilet pare-balles. Ça a l'air de remuer de l'autre côté de cette porte. Des snipers, revenez! Il y a au moins une douzaine de snipers le long de ce mur. Il va falloir trouver une autre sortie. Il n'y a pas d'autre sortie. Alors on a un problème. Peut-être que ça sera utile. Une grenade fumigène? Mais... Je l'ai trouvé sur un garde-mort. Ok, voilà le plan. À mon signal, lancez la grenade, fermez les yeux, retenez votre souffle et courez comme un dératé. Donc, on va tomber. Je serai juste derrière vous. N'arrêtez qu'une fois sorti du bloc, compris? Ah. Prêt? Ok. Balancez! Balancez! Oui, j'ai couché avec ma bonne, j'ai couché. Go! Go! On s'est fou. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? La porte de sécurité est fermée. Vous pouvez dégommer la serrure d'ici? Pas de problème. Joli tir. Allons-y. Merci, maman. On veut combien de temps? Y'a
D'accord. Le premier, celui-là que j'ai eu. Yamazan! Reculez, ne vous approchez pas. On est avec c'est vous, pas les gars. Ma mère de l'entrée. Il faut pourtant qu'on passe. Elles doivent nous laisser passer. Essayez de les convaincre. Vous n'êtes pas une prisonnière. Et je suis un homme. Ça m'étonnerait qu'elles nous écoutent. Alors il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. J'ai perdu mon arbalète quand le courant a été coupé. Il va falloir trouver autre chose. Attendez ici. Non, on peut pas les tuer. Mais pourquoi fait-il demi-tour? Bah parce que je vois pas... Il faut éteindre la lumière. Encore des lumières de merde. Après tu souviens, je sais, mais... Ah, il faut tirer en haut. Nous voulons pas vous faire de mal. Enfin, un petit peu quand même. Oh! Je sais comment faire. Saute! Ah ouais, carrément. Mais c'est pas des prisonniers, c'est des tireurs d'élite, là. Une femme, ça tire pas aussi précisément que ça. Vous êtes des salopes, les femmes! Bon, en gros, ça veut dire quoi? Il faut que je fasse demi-tour? Il pleut des femmes! Alléluia, il pleut des femmes! C'est bien au moins, il tire pas du tout sur moi. C'est que c'est comme s'il s'en branlait de moi. Il pense que je suis mort. Mais je ne suis pas mort. Faut peut-être aller là. Qu'est-ce que je fous ici? Mais bien sûr, il faut aller là-dedans et je sais pas quoi. Liane, n'abandonne pas Grégoraf. Lol. Mais ce mec ne sert à rien. Pourquoi on a été le chercher? Je comprends pas l'intérêt de cette mission. Si vous voulez que je me fasse buter, dites-le. Je démissionne, merde. Mais c'est vrai, putain. Cette mission n'a ni queue ni tête.